Bonjour ou bonsoir, ça dépend. Les opposants membres du Front ont animé un meeting à Port-Gentil. Et les médias ont relayé les informations selon leur penchant politique. Ceux de l'opposition ont dit qu'il y avait une très forte affluence, toute la ville y était présente. Par contre, les médias proches du pouvoir ont révélé que la population est restée chez elle. Mais le quotidien L'Union, qui est composé sûrement des deux tendances, a choisi de présenter les deux situations pour être impartial, sûrement. C'est du vrai journalisme. Tenez, dans sa livraison numéro 11688, du lundi 24 novembre à la page 3, L'Union donne les deux positions. Le premier article qui dit, regardez. Au stade Pierre Claver-Divungui, où des militants et sympathisants venus en grand nombre et qui avaient pris place à la tribune principale. Et le second sur la même page et le même journal contredit en disant « Paulette Misambo, Jean de Dieu Iwango Mukani et les autres n'ont drainé qu'un maigre public à leur premier meeting commun au stade Divungui. » Voilà, au moins chacun trouve son compte. Au revoir.